Très chers abonnés, très chers internautes, bonjour et bienvenue sur DRC News, cette chaîne par excellence, cette chaîne qui vous donne toujours des informations sur l'actualité politique, surtout en République démocratique du Congo. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre attention et surtout les temps où vous allez vous disposer. On a pour l'Andarabiso, moi c'est le mot de la presse, ça fait longtemps. En tout cas, bon comprendre, Zoto et Senga qui vraiment tous en moi à repos. Et nous sommes là de retour pour vous informer. Nous avons toujours besoin de votre confiance de partout où vous vous retrouvez. Et à l'étranger, et à la Awa Nakati, Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo, nous sommes là pour vous informer encore une fois de plus si nous allons parler. Le voyage à Vital Kamerhe avec toute une série de personnes déplacées Bakendaki dans Montréal, ici à Bakendaki. Et qu'est-ce qui fait que Vital Kamerhe, à l'Assemblée nationale, a battu Ebeleboye, va voyager, na mbongo ya l'État. Les Congolais se posent des questions et vous aurez réponse. Dans notre émission, Tokobeta Soussou, l'isolo ya dossier à porte-parole. L'opposition, Bazali Kowelela, c'est comme les gens de Moïse Katumbi, Bazali, au moins un net Moïse Katumbi, de Aza, le premier opposant à Kouri qui aurait présenté l'opposition dans notre pays. Mais et c'est là, en jetant des indices crédits sur le régime, tu sais qu'elle dit, est-ce que pour Obima, porte-parole à l'opposition, il faut toujours insulter ceux qui sont au pouvoir. Nous allons en parler dans notre émission, mais aussi les priorités pour Félix Tshisekedi. Il y en a deuxième mandat. Là, c'est l'opposition qui lui fait reçu des reproches. Nous allons en parler et commenter. Et aussi, de passage, nous allons parler sur la situation du Kenya. Oh, vous allez considérer pendant le président William Ruto est sous pression, mesdames et messieurs. Je voudrais que Boulandanga, vraiment avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt, vous allez comprendre que malgré l'absence, nous avons toujours nos soucis. Il y a Oulubila, Mboka, na Bissou. Je me suis toujours posé la question, changement Tobundelaka Awa, c'est aussi éviter des institutions bidiotivores, train de vie des institutions, train de vie des hommes politiques. Nous surtout wana ezaki na kati un changement. Mais pas seulement des sociales et des Congolais, mais aussi des institutions de la République. Mais les lots ont mené vraiment toute une liste de personnes avec Vital Kamerhe, bien sûr. Il peut aller là-bas. À l'époque de Mbosso, on voyait Mbosso qui s'est déplacé dans une parlementaire, le président du Parlement, il se déplace. Mais l'argent de l'État est dépensé pour 10 jours, 2 millions de dollars. Est-ce que Batou Oyo, tout ce qu'on voté à Obazan, on souci à peuple. On l'a toujours dit ici, les gens nous insultent. Vous acharnez sur des institutions et la personne de Vital Kamerhe, ceci, cela. Les jours où il y a primaire, il y a union sacrée. J'ai suivi M. Vital Kamerhe, j'ai suivi Mbosso, Modeste Bahati, qui reste modeste jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas confirmé, Yango. Olandi discours, il y a Batoua Nabalini Bakamba, Assemblée nationale, souci à peuple les athées, souci à peuple les athées. Et aujourd'hui, ça commence. J'ai suivi même Vital Kamerhe qui disait à chaque projet parlementaire, un député doit toucher 10 000 dollars pour la vacance. Et ça commence. Tala Ngulupaya Batou, tout le monde là, Bakeko Salanine. Mais si Vital Kamerhe est mort avec quelques personnes, nous avons surtout Wana, c'est-à-dire le peuple Mawa, l'argent qu'on peut dépenser à autre chose, mais ils ont Kende, là-bas, frais de mission. Session, je ne sais pas si c'est la session de y a parlement de Bakokuta à Montréal. Est-ce qu'il faut Batouba Kende à 50? 30? 40, 20, non. Trop, c'est trop quand même. On ne pouvait pas vraiment parler d'autres choses sans toutefois insister sur cette histoire. Et
Sans compter, ma frère, l'émission Brozois. Mais la vacance parlementaire. Même un billet d'avion pour vos femmes. Vital Kamerhe n'est pas vraiment au premier forfait. Bon, il y a eu très bien. Ministre de l'économie. Il y avait crise dans le Grand Katanga. Il y a Massangou. Il fallait qu'il découle dans la Zambie pour résoudre le problème. C'était toujours une série de personnes. Toute une série. Avec Vital Kamerhe. Ils sont allés là-bas pour aller Kamouya, Massangou. Et après son bilan au ministère de l'économie, c'était quoi? Vous avez la réponse. C'était de l'effondrement. C'était de l'effondrement. Et quand on dénonce des histoires comme ça, oh non, à Mobutu, vous exagérez. Non. Et aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale. Je les vois partout. Même ici, quand mon Rosambo Razo Kende, pour inaugurer Misala, tout ça, je les vois partout. Il est maintenant partout. On dirait qu'il devient le directeur des cabinets et chef de l'État. Mais je n'ai pas de problème avec la personne de Vital Kamerhe. Si je parle de Vital Kamerhe, parce qu'il est présent à l'Assemblée nationale, il est le député élu, il y a PEP. Il y a beaucoup de gens qui ont institution. Mais mode de gestion, il y a beaucoup de gens. Et ça, c'est un côté. Et ça, c'est un côté. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont créé une occasion. Il crée une occasion. Au moment où il y a un camou, il s'embauche de millions et c'est fini. Et nous, nous n'allons pas nous fatiguer. Parce qu'à chaque fois, vous venez vers la population avec des discours. Votez-nous, nous allons faire ceci, cela. Mais quand vous arrivez là-bas, ce n'est plus l'intérêt supérieur de la nation. Ce sont vos intérêts mesquins, les intérêts égoïstes. Ce sont des intérêts égoïstes. Aujourd'hui, vous êtes à Montréal. Combien de millions? Combien? Il y a des gens qui ne sont même pas des députés, Bakéko. Parce que tu as un député. Bon, les députés, on peut comprendre pourquoi on construit une délégation. Il faut une délégation, ça a l'air combien? Mais il y a des gens qui travaillent même dans l'administration, Bazak analyste. Et par après, il va tirer des conséquences. Et Ali Kessalida. Et Ali l'État. Parce que nous, surtout, on a besoin qu'il y ait ça là. Et ça, on a fait à l'État. En tout cas, cette façon de gérer les choses. Mais ce peuple congolais, et qu'on s'est fait ça, Et d'ailleurs, moi, personnellement, je regrette. Genre, il y a un député au Bissotouzana. Est-ce qu'on peut vraiment espérer à l'avenir meilleur même de nos enfants dans ce pays? Avec tout ce qu'ils font aujourd'hui. Quand la frère d'émission s'est déplacé, depuis que vous êtes là, et là, on dit, salut, il m'a intérêt à peuple. Tout ce que vous voyagez, vous êtes au Kende, vous voyez, vous voyez là-bas, dans la hôtel, 7 étoiles, 8 étoiles, 10 étoiles, 15 étoiles. Ça n'a intérêt, Nabino. Et alors, le peuple? Et nous n'allons pas nous fatiguer pour vous dénoncer. Manti Valère, nous surtout. Bato, bako sala mabe. Bako sala makambo. Oh, ils ont qu'on fait avancer Mbokate. Donc, autant, il s'agit de nous peut-être vous dénoncer. Et après, vous voyez, vous voyez, au mandat avec Félix Tshisekedi, ceci, cela, course au pouvoir. Parce que les uns, ce qu'ils gagnent aujourd'hui, c'est pour se préparer. On a l'objet, il y a beaucoup de sous peuple. Tout ce qu'ils gagnent. Imaginez-vous, à chaque congé parlementaire, on va payer un député 10 000 dollars. 10 000 dollars à chacun. Là, c'est Vital Kamerhe. À l'objet, il y a un mot. Devant le député, devant la nation, devant tout le monde. Devant tout le monde. C'est pourquoi vous voyez même, Batelokola et Christophe Mbosso, à Kolingate, à Longwana, bureau à l'Assemblée nationale. Il y a une phrase à la carrière, parce que, à Ebi, que l'avantage, Zali, voyage à Lokuta,
makam oyo su toko sala awa bambo webi mata yango moni andimi kutwa diminuer comme na deuxième vice président. Ça c'est de l'égoïsme. On l'a toujours dit, c'est de l'égoïsme. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là privilégiés, banana bango, basemi ki na bango, bacha ba sipluyant, bazako privilégié ba tout. Bonjour à ceux devant la population. Dossier porte-parole de l'opposition. J'ai suivi M. Hervé Diakese. On a bango, M. Moïse, Katoumine, a koui koza la porte-parole. Bon, c'est de votre droit. Ya koloba bongo ko réclame Moïse étant que représentant ya opposition dans des institutions. Mais quand M. Diakese, vous allez plus loin. On a koloba ki, victoire et zela ki ya Moïse Katoumbi. Oyo Tshisekedi dit, aïba ki selon tes propos. Sir Top Congo, victoire est là qui a Moïse Katoumbi. Mais vous avez choisi de faire l'opposition au lobby Yango. Félix Tshisekedi a été réélu et abattu. Bastia Langer n'a union surtout à plate couture. Moïse Katoumbi, Oyozo Loba Lelo, victoire est là qui a yé. Monsieur Moïse Katoumbi a tiré la aussi sa campagne électorale à 600 votes. Il n'a jamais été au Kassai. Au contraire, j'avais vu Adolphe Moussito au Kassai. Il n'a jamais été au Kassai. Il y a d'autres provinces. Moïse Katoumbi a tiré la pour tambourater pour ça la campagne. Et ça la yomoko, monsieur Hervé Diakese. Parole, il y a gouvernement. Porte-parole de l'opposition. C'est une organisation au sein de l'opposition. Vous vous organisez, vous prenez Moutoumoko pour vous représenter. Et pourquoi s'acharner sur ce qui se dirige? Parce que vous avez choisi l'opposition. Finalement, la victoire, il y a élection, il y a 2023, Awa, il y a gagné. Même les gens de la Mouka, vous avez réclamé paix. Avec Martin Fayoulou. Aujourd'hui, c'est Moïse Katoumbi. Mais non, attendez, ce n'est pas de cette façon que vous allez amuser la galerie. Vous avez besoin, il y a cause là, aux porte-parole, il y a opposition, de l'opposition. À cause de la peine à cabinet, à cause de la bambongo, toutes ces histoires-là, normalement, il faut qu'on modifie la constitution. Maître Hervé Diakese. Je vais vous lire la déclaration. Oyo asali sur Top Congo. Parce que belé bako kanisa ke makamu toko loba awa toko imaginer. Non, allez sur Top Congo. Vous allez voir cette interview, monsieur Diakese Kupar. Il dit quoi? Entre guillemets. Les leaders de l'opposition congolaise, c'est Moïse Katoumbi. C'est le seul opposant qui fait peur au régime Tshisekedi. Ça, c'est grave et gravissime. C'est l'opposant qui fait peur au régime Tshisekedi, c'est Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi qui était incapable même de battre la campagne partout au pays. Je ne sais pas si vous avez vu les Zaka dans votre pays. Vous avez compris les Zaka dans votre pays. Moïse Katoumbi ne fait peur à personne. Monsieur Diakese. Quelque part, on appelle ça la mère, mais des raisons pour dire que. Makamabanda Koloba à l'époque, Akan a raison. Qu'un créateur ne veut pas avoir peur de sa créature. Azalakan a raison. Makambo, oh yo, la mère mène à Banda Koloba. Moïse Katoumbi qui fait peur. Non, ce n'est pas Katoumbi. Ni personne. L'opposition n'existe plus. Si l'opposition existe aujourd'hui, c'est par les noms. Or, on avait besoin d'une opposition forte qui peut secouer le pouvoir. Pour avoir l'équilibre démocratique. C'est qu'on avait besoin. Mais on a vu l'opposition, il y a une élection en ordre dispersé. Pour finir, il y a Martin Fayoulou, il y a ma troisième. Il n'y a plus l'opposition.
Là où on attend l'opposition, tout comme on a bangoté, tout comme on a l'opposition, l'instant c'est l'opposition. Là où on a besoin de l'opposition, tout comme on a l'opposition, et vous venez ici nous raconter des histoires pour dire que, oh non, c'est l'opposant qui fait peur au régime, qui sait que c'est Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi, et sa méthode naïe, toyebi, pour protéger ses biens, il est ici, c'est un affairiste. Nambo Kanabiso, ça fait longtemps qu'il y a son compte politique. Biso déjà, tout ça, là, quand il y a politique, tout le monde y a son compte politique. Au père perdu avec Joseph Kabila. Pour finir, à comment opposer à Joseph Kabila? Kabila coûte une méchanceté, à Zalaki Nango, à Kimi Saïmbok, passez pour Rezate, à qui vendre les bandes. C'est grâce à Félix Tshisekedi que Moïse est rentré dans ce pays. Comme à l'époque, il y a Mouzé Akima, Joseph Kabila a été dit, ça y est. Félix Tshisekedi est allé à Saléli et passeport. À Saléli, Salomon est dit, Kalonda, passeport. Bonjour, madame Boka, tu es comme ça la politique. Et c'est quelqu'un comme ça qui peut faire peur au régime en place. Non. Moïse est vidé de toute substance politique parce que Ayebi politique était. Maman, on a yéné à Sombakaba, va partir, le rôle à Olivier Kamita, tout, à Sombakaba, parti à Batou, yaba José Ndundu, à Sangisa Yango. Lui ne connaît pas la politique. C'est un homme d'affaires. Oh, vous avez continué à construire. Bon, quelque part, on a rappelé qu'on y a une raison que Batou va quitter, pas Moïse, on a quitté, qu'on est escroqué. Et puis Batou, on a beau escroqué, tinasouk. Là, c'est quoi qu'on y a qui disait? Non, c'est la constitution, c'est constitutionnel. Vous vous organisez, vous me supportez parole, il y a opposition. Mais, du ce peuple, sincèrement, tu as constaté que cette opposition n'existait pas. Si l'opposition existe, les autres existent qu'un combo, opposition. Mais des acteurs de l'opposition, en tout cas, pas Sinamawa. Il continue pour dire que nous faisons la vraie opposition. Ah, oh, même, vous êtes à l'opposition. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Bokenda qui nous a qui a qui boye, qui a sacré. Vous êtes parti, vous êtes dans l'opposition. Et le peuple, nous avons validé que vous êtes dans l'opposition. Nous avons choisi de faire l'opposition républicaine. Ah! L'opposition républicaine, là vous êtes maintenant en contradiction. Namakamozo loba. L'opposition républicaine s'est contribué aussi. Na fonctionnement mboka. Place pouvoir et salibienté. Ah, il faut bosser la boule. Mais tu tires là comment on a bien bossé la ngote. Tu tires là comment on a bien bossé la ngote. Bo entraîner na basale ensemble. Ya ba katangé. Dans votre mouvement, en s'opposant à Nyon, surtout, dans la langue qui m'a dit, oh non, recrutement, ils ont salé ma yakanya, ma KCC, ils ont salé ma bien-té, ça qu'on capture, là c'est M. Fulgence Moute, je profite de l'occasion pour te répondre, monsieur, va faire la politique, va faire l'opposition, quitte l'église, parce que cette église nous appartient tous. Et il continue encore en disant, nous avons choisi l'opposition républicaine. Félix Tshisekedi n'avait pas remporté les élections. Ça, c'est la folie. Monsieur Diaké, c'est ça, c'est la folie. Félix n'avait pas remporté les élections. Moïse a assis à ta campagne dans toutes les provinces. Il a volé la victoire de Moïse Katoumbi. Ah! Monsieur Diaké, c'est. Tu dois beaucoup apprendre sur les élections. Moi, il m'a un sentiment. On en a marre de vous d'écouter ce genre de discours. Et ce genre de discours, et ça, c'est une place dans l'opinion, parce que si vous comprenez ma kabou. Bon, nous avons forcément une source de cartouche. Il y a qu'un bêta dans l'opposition. Nous avons besoin de voir sa démocratie dans ce pays. Ce n'est pas de cette manière-là. Moïse Katoumbi n'a jamais gagné les élections. De quelle victoire vous parlez? De quelle victoire? Ceux qui m'ont assis ça, t'as concerné la campagne électorale, t'es dans le Congo.
ye moutou bobada ko kolo ye bisabiso ki le milliardaire. Yé lo soyi to lo bada bino parce que vous avez koko sa peuple ke bino bouya la vérité, bino bouya ko sa la boui. Moïse Katumbi était gouverneur dans les grands Katanga, oh il les a démembrés. Vous avez bilan à cette époque-là, vous avez été, vous étiez de l'autre côté. Il était gouverneur. Il était gouverneur dans ce pays. C'est votre méthode, toyez bien votre bien histoire. Il y a troisième penalty, ceci, cela. Moïse Katumbi. Il n'a jamais gagné les élections. Les seuls gagnants, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, confirmé par la Cour constitutionnelle. Mais vous êtes juriste de formation, monsieur Diakassé. Vous êtes juriste de formation. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est grave. Makambo Oyo, Toko Yoka, Ezali Koloba Manambo Kanabisopé, Ezali Kosalema, dossier porte-parole de l'opposition. Opposition, il faut vous organiser. Malgré vos en perte de vitesse, vous allez en débattant de beaucoup côté. De vous comprendre que papa Tshisekedi Azala qui a raison. Il y a Kolobaki. Il faut l'idée passer au pouvoir. Il n'y aura pas l'opposition. J'ai suivi encore un opposant. De la Mouka, cette fois-ci, c'est M. Prince Pengue. Et je profite aussi de l'occasion pour la répondre. Pour n'ayez priorité à Félix Tshisekedi. Il faut Ezala. La sécurité, bien sûr. La sécurité, c'est parmi les priorités. Mais quand on parle aussi du cadre macroéconomique, c'est ce qui touche la majorité de la population. La guerre céleste, une partie qui souffre. Il faut aussi une solution. Okamamboka Ezali Makambino Bokoye Bokoye Bisabiso dans l'opposition. Okamamboka Ezali na ba réalité mususu, tu seras en face d'une constitution qu'il faut respecter, Mami Bekomboka. Oyo, il faut respecter. Ata oye na plan na yo, oye na plan na yo, ozo kenge pa on e pa ntambe. Oyo ya kobongisa Congo, tu seras en face d'une loi qu'il faut respecter. Quand vous dites que la priorité, il faut ça là, le Kambo, oh, il y a sécurité à l'est de la République parce que l'insécurité, elle est qui? Baboumi, Batoué, Belé. Mais la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Tshisekedi Félix a hérité de cette guerre. Monsieur Pengue, qu'on se le dise. Nous devons être sérieux avec ce genre de discours. Ne voyez pas Batou, qui ne sait pas que la guerre de l'est, maintenant, ça fait 20 ans. Plus de 20 ans, dit tout bien comme Bundama. Bato, oh yo, bazana ba intérêt, na bangoko na bali, koti kambo kate, les Américains, les Européens, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Tu veux qu'on comprendre ma kambouana. Mais aussi, il y a d'autres priorités sur le plan économique. N'habite, aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, vous faites des beaux discours comme ça. Tu sais que vous êtes un lobby, vous êtes un kambouana, un modèle, wana. Monsieur Epengue. Dans ce pays, Félix Tshisekedi est arrivé, on avait de sérieux problèmes. Mais quand même, il y a eu quelques réalisations sur son plan Oyaya Kinango. Il y a 10 ans, la gratuité de l'enseignement, gratuité à maternité. Nous avons un fort gouvernement à Zalikosala, le projet à 145 territoires pour développer notre pays au niveau de la base. On dirait Mboka na biso, ce sont des grandes villes. Mais non, le président de la République a réfléchi avec l'actuelle première ministre encore au plan. On a pour développer plein à 145 territoires. C'est pourquoi je dis du tout la première ministre. Parce qu'à Yébili Kambo, il y a 145 territoires, très bien. Et aussi, il y a des gens très sérieux au Mokozambo Katie pour la Yébili Kambo. C'est aussi quelque chose, il y a malam, oyo koko ko développer mon cannabis. Bien sûr, de l'autre côté, l'armée là est en train de faire son travail. La guerre nous est imposée par des Occidentaux, par des Américains, par tous ces gens-là. S'il faut parler aujourd'hui de la guerre, ce n'est pas avec Félix Tshisekedi. Question à votre compatriote Joseph Kabila.
qui a hypothéqué ce pays. On a monné l'Europe, papi Tamba, qu'on s'en a la déclaration pour dire que peuple a sali, qu'on s'en a yo, peuple, le peuple gagne. Quel peuple? Vous avez un peuple, vous, les gens du peuple RD. Vous avez un peuple. Quel peuple? Parlez au nom de vos militants, je l'ai toujours dit ici. Que le retour de Joseph Kabila va rentrer au pouvoir par quel moyen? Parce que la constitution ne le permet pas. Constitution qu'on permet de traiter le baba modifier, le baba changer, l'actuelle constitution ne le permet pas. Et il va rentrer pour quel bilan? Ça, c'est de la masturbation politique. Et arrêtez d'amuser la galerie de cette manière-là. Parce que tant que Kabila doit rentrer au pouvoir, ça nous énerve. Nous, le peuple congolais, na ma belle salimboka oyo, na façon à tikimboka, on a li boulot à côté de sa kimboka oyo, même sur le plan spirituel. Et si vous rentrez aujourd'hui pour nous faire des discours, vous êtes des personnes sans cœur. Monsieur Tamba, tu étais à la sucrerie là-bas. Tu as fait quel bilan? Kabila rentre au pouvoir. Hein? Et je vois l'opposition. Oh non, il faut normalement. Là, c'est Prince Pengue qui parle. Bien sûr, depuis que tu sais que le président de la République, Tokobunda toujours à l'est de la République, à l'est du pays. Tokobunda toujours. Parce qu'on ne peut pas accepter que notre pays, même un centimètre, soit occupé. Et pas à l'étranger. Et quand on fait des déclarations comme ça, quand on dit Natanya ou Baba Pitamba, ils ont regretté Ming. Et c'est que l'opposition est en train de développer aujourd'hui comme discours. Oh non, tu sais que Dieu nous parle de ma cadre macroéconomique aussi longtemps qu'on tue les gens à l'Est. Mais la guerre nous est imposée il y a 20 ans. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Kenya. La plupart de ce pays-là, il y a Afrique de l'Ouest, ainsi de suite, dans ma région, il y a EAC, au Kenya, au Kota, sans qu'on plus. Ça, bébé, à la carte. Regardez maintenant ce qui se passe au Kenya avec William Ruto. Avec William Ruto. Lui pensait que le Congo va songi sango na maboko en Zambie pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muto akoya pour trahir le Congo, il est moko ko se retrouver na passe pe akokati. Aujourd'hui les Mangatutu sont en prison. Les Mangatutu. On n'a jamais entendu l'opposition parler de cet homme-là. Vous le prince Pénis. Vous avez dicté par les bas comme ma priorité. Non. La guerre de l'Est, c'est partout. Patrice Soubayebi, que cette guerre-là, ils allaient imposer. Quand vous développez des discours comme ça, pour banani ba adhérer na ba discours, ouais. Oh, ayez bité que guerre à Est, ce sont des Occidentaux. Bazali ko alimenter le Rwanda, na ba M23, ba yé ko so ba Congolais, moussousou ya ba Zoba. Loko la ba Corneille Nanga, ya ba Zoba. Loko la ba Jean-Jacques Mamba, na ba Henri Maggi, ba kotisi ba beaucoup. Ça va bissimouir. Pour l'intérêt na bango. Et quand l'opposition vous développe des discours comme ça, vous pensez que le peuple te comprend? Non, non, on a déjà compris. Félix est victime. Le peuple connaît tout ça, ma victime, il y a ma camoise sur le canal Est. Ma camoise sur le canal Est, c'est quoi le peuple connaît? Donc, vous avez dit, mais les camouilles à guerre, on a pour vous, on a le quoi la discours. Aussi longtemps que Makila Batezo Botanga. C'est grave. C'est grave. Opposition, il y a Misabiso. L'opposition. Tant le bien, l'opposition n'existe plus. Si quelqu'un a ma déclaration, même si ceux qui sont connus, comme problème, il y a Mboka, il y a plus de 20 ans. Opposition. Parce que vous avez dit que vous avez. Non. Aidez-nous à l'équilibre démocratique. Et vous, les gens du PPRD, vous, les gens du PPRD, ceux qui vous ont la moutoumoussou souté à quoi que vous représentez, nous, la magistrature suprême, vous devez laisser notre ancien président tranquille. Kabila n'avait pas la capacité de gérer ce pays. C'est pourquoi tu s'es retrouvé dans la situation où il y a un accord Oyo et Tumimboka. Accord Oyo et Kundimboka. Et Tumi et Kundi.
Kobandana entrer à Fden. Et vous nous parlez de la guerre de l'Est. La guerre de l'Est. Mais il y a des gens qui ont publié, même le président de la République a publié le livre. Monsieur Julien Panoukou, il a fait 10 ans gouverneur là-bas, dans le Nord Kivu. Il y a un chaque fois, il y a un ministre de l'intégration régionale parce qu'il connaît bien le problème du pays. Donc, mesdames et messieurs, Balandia DRC, télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour la journée d'aujourd'hui. Vous voyez bah, très bien que l'opposition, mais aussi des institutions de la République, des institutions bidiotivores, Tozana Katia qui a observé Binou. Tozana Katia qui a observé Binou, ton collègue a eu sous terre. Trésor public est saigné. Dengue to monaka oua. Na manda ni boso toko lingali sou souti. Yamabe toko lungu. Yamalam. Toko garde yam. Et surtout, restez toujours branché sur Dias News. Et n'oubliez pas que la République démocratique du Congo reste et restera toujours notre dénominateur commun. Restez branchés.